quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Vous ne me touchez pas. Nous ne sommes pas des voyous ou des bandits à aller faire votre métier de policier. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Elle craque. Allez, on va voir qui va avoir le dernier mot ici. J'espère que vous n'en faites pas partie, mais je n'en suis pas sûr. Disent, je condamne les violences, mais je les comprends. On ne peut pas comprendre cette espèce de violence qui s'attaque au commerce, à l'activité économique, à la croissance, qui met au chômage technique des gens qui sont... Moi, je vous invite, pour comprendre, de prendre un LBD dans l'œil. Juste pour comprendre. Mais monsieur, vous pensez bien qu'on a tous été extrêmement désolé. Robert, sois sincère, tu la regardes parce que tu te dis qu'elle est d'origine. Oui, c'est ça, on sait très bien. Allez-y, quand tu la regardes, arrête, ne sois pas hypocrite, je me contrefous de ça. Voilà, allez-y. C'est ton naturel qui arrive. Oui, c'est ça, et ton naturel, je ne vais pas y revenir tout de suite, soyons gentils. Allons-y, Robert Mena. S'il te plaît, va sur le... Pas sur le naturel. Continuez. Ce que je veux vous dire, donc je ne regarde pas. De l'autre côté, allez, on pousse. Monsieur, vous n'allez pas recommencer. Prenez des photos. Vous calmez, monsieur. Vous êtes violent. Vous l'avez étranglé. Monsieur, ça fait deux fois que je vous le dis. Non, monsieur, je l'ai signalé. Hé, je suis député, moi, monsieur. Monsieur, vous n'allez pas toucher comme ça. Vous n'allez pas toucher comme ça, monsieur. Évidemment, il me disait sioniste, raciste, sioniste, raciste. Sioniste de merde, par toi. Dans ces quartiers-là, c'est non seulement le trafic de drogue qui règne, mais c'est aussi l'islamisation. C'est-à-dire que les rues sont remplies de boutiques halal, c'est-à-dire que les femmes sont voilées, et même parfois le voile complet, sans respecter la loi. Mais comme depuis les émeutes de Trappes, vous savez que les flics ont des consignes de ne plus interpeller ces femmes-là. Je ne suis pas au courant. Mais c'est vous qui êtes connecté aux flics, c'est pas moi. Mais oui, je suis connecté. Bah oui, moi, je suis journaliste aussi. Donc vous êtes aussi indique. Non, c'est pas indique. Non, je ne suis pas indique. Moi, mais allez-y, allez-y. Et maintenant, vous avez, j'attends votre... Puisque ici, c'est un échange possible. C'est un échange possible. Ça a touché tout le monde dans le sens où tout le monde s'est senti interpellé par ce que j'ai écrit. Mais cette histoire de Pandel et Blanc, c'est une histoire d'inversion entre le blanc et le noir. Cette histoire de doux pays, c'est l'histoire aussi de mon pays, parce que je suis français. Je représente cette France. Mais moi, si je dis Pandel et Noir, je ne suis plus à l'antenne demain. Si vous dites Pandel et Noir, ça n'aura pas la même connotation dans le sens où... Je vous le confirme. Ça a déjà été fait. Et ça serait un mal... Qui a été fait où? Mais les Noirs ont été pendus, monsieur. Non mais là on parle d'aujourd'hui. Vous êtes en France, vous parlez de votre pays. On parle d'aujourd'hui, mais l'histoire du monde entier joue un rôle dans le... Enfin, tire son essence dans ce que nous vivons aujourd'hui. Mais c'est ce qui se passe aussi pour la police. Quand vous avez une personne qui est blessée, tous les policiers sont des violents. Quand vous avez une personne qui est insultée, tous les policiers sont des racistes. Quand vous avez une personne qui... Bah, tous les policiers sont... On est comme ça depuis le début du débat. Qu'en est-il des enquêtes au niveau de la police? Parce que quand on regarde les enquêtes contre les gilets jaunes, qu'en est-il des enquêtes contre la police? Parce que samedi, on a pris très très cher. On a tous été violentés, moi le premier. Même s'il manque un autre. Oui, j'ai été violenté. Factuellement, c'est quoi? Parce que moi, j'ai été attrapé par la police. D'inu-terrorisme en France. Donc, des signes d'inu. Vous savez, quand je vous rappelle. Attendez. Quand on met le feu à un chantier. Vous êtes gentil, mais les terroristes, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, c'est nous. Pardon? Voilà, votre réaction. C'est vraiment absurde. Effectivement, les membres du gouvernement et le président de la République se sont exprimés. Qu'avez-vous ressenti hier face à cet homme? De l'inquiétude? Non, parce qu'il était face à moi avec d'autres. Encore une fois, il y en avait d'autres qui n'étaient pas des islamistes. Mmh. Lui était le seul islamiste. Mais hier au tribunal, j'entends. Au tribunal, non, je ne sais. Si vous voulez, il avait une bonne tête. Il n'avait pas le visage défiguré par la haine. Et après, j'ai été surpris par l'attitude des conseils. Mmh. Et puis, j'ai vu ses amis et sa famille aussi dans la salle d'audience. Et là, j'ai eu un peu plus peur. Pourquoi?
Bah parce que c'était, si vous voulez, un islamisme très, très apparent. Ils étaient habillés comment ? Vous voulez, le voile qui couvrait tout le visage, et donc, ils faisaient des barbus à côté d'elle. Alors peut-être, évidemment, l'habit ne fait-il pas le moine, hein, et je ne juge pas, mais ils avaient des visages patipulaires qui m'ont mis un peu mal à l'aise. Qui doit faire, faire 10 fois plus d'efforts que les autres pour être reconnu. J'ai fait ça. Non, mais vous voulez vraiment être reconnu avec ces paroles-là ? Excusez-moi. Hein. Ah, Je demande de prendre le temps d'écouter le bourdonnement des colibris qui explique mon histoire. C'est très poétique. Allez-y. Juste sur une chose. Vous me dites depuis tout à l'heure. Il faut éliminer toutes les sourates dans lesquelles il est écrit qu'il ne faut pas faire ami avec des juifs et des chrétiens, qu'il faut égorger. Vous confondez les hadiths et le Coran. Non, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les sourates du Coran. Est-ce qu'on peut expliquer, parce que sinon Pascal Praud va appeler la police si on parle du Coran sans le prévenir. Juste préciser quelque chose, ça, Pascal Praud. Les hadiths font partie de la charia. Les hadiths. Voilà, parce que ça vous fait fourcher votre langue. Mais vous avez une tête de berbère. Je parle français, vous savez. Honnêtement, vous avez la tête d'un mec qui tient une épicerie pas loin de chez moi en plus. Je vous dis, venez à Barbès, vous avez la même tête. J'adore les épiceries, mais c'est vous qui faites le délit de faciès, vous voyez. Parce que moi... Ça, c'est drôle comme phrase dans votre livre. C'est un peu... Mais qu'est-ce que vous avez contre les épiciers ? Parce que c'est lui le racialiste. Aujourd'hui, parce qu'il est obsédé par le racialisme. C'est un peu péjoratif. Mais c'est pas de dire ça. Alors vous touchez pas à personne. Monsieur, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit qu'il était violent. Inacceptable. Arrêtez de salir mon matériel. Allez, vas-y, essaye de me pousser pour voir. Ne touchez pas. Touche pas. Allez, touche-moi pour voir. Touche-le. Vous prenez pour qui ? Touche-le. Vous n'êtes pas le procureur, vous. Un procureur avec un gilet pare-balles, un truc de police ? Oui. Celui que vous n'êtes poussé. Qui ? C'est vous que je pousse. Lui, là. Mais c'est un procureur, il ne fait pas la justice, là. Juste sur une chose. Vous nous dites depuis tout à l'heure, je suis français, je suis né dans ce pays. J'imagine qu'on est à peu près de la même génération. Peut-être. Voilà. Alors, moi aussi, je suis française, je suis née dans ce pays, voyez-vous. Mm-hmm. Et quand j'entends « j'ai baisé la France jusqu'à l'agonie, cet hexagone, j'encule sa grand-mère mm-hmm. », en fait, la grand-mère de cet hexagone, c'est la mienne, voyez-vous. D'accord. Donc, si ce pays est insupportable et que vous avez envie d'enculer sa grand-mère, comme vous dites, mm-hmm. mais la porte est ouverte, en fait. Madame. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tu sens que la femme qui parle, c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Parce que pour dire dans la même phrase... si vous voulez enculer sa grand-mère à ce pays, bah, la porte est grande ouverte. Je pense qu'elle a pas dû capter sémantiquement qu'il y avait un truc qui clochait. Mais non.